Re-salut tout le monde, c'est Angou et on se retrouve pour la deuxième partie du jeu vidéo LA Noire sur PlayStation 3, un jeu vraiment magnifique. Franchement je l'adore, je pense que je vais continuer à y jouer. Je sais plus si je l'ai platiné, il me semble que oui, je sais plus, même s'il y avait des trophées dessus, je m'en rappelle plus. Bref, on est de retour et cette fois-ci, après avoir fait une petite quête annexe dans la première vidéo où j'ai bien galéré, j'ai fait une petite course poursuite, eh bien on se retrouve pour cette fois-ci. Ouh là là, vous avez vu, elle est en chaleur. Elle m'a vu, elle est tombée amoureuse. Bref, on va retourner dans notre mission principale qui normalement est pas très loin d'ici. On va continuer à pied. Ah voilà. Ouh, mais je me rappelle de cette mission. Je crois me souvenir. That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stiff. Just give them your story and you'll be all right. This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. If you don't know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can do. Thanks, Stefano. You're okay. Ok. Donc, allez, on va aller inquiéter un petit peu. Apparemment, il y a eu une scène de crime et on est là et bien pour résoudre cette affaire. J'aime bien cette petite ambiance années 80. Salut mec. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je m'en fous. Qu'est-ce qui se passe? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. Ok, il est coupable. C'est lui le coupable. There's blood all over the interior. Someone's copped the full Broderick, but no stiff as yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right, we'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Ok, appuyez sur L1 pour révéler des indices grâce à je sais plus quoi, j'ai pas le temps de lire. Donc, voyons voir. Les indices repérés apparaîtront sur la... Ah, mais j'ai jamais le temps de lire en fait. Comment ça fonctionne? Je m'en souviens plus. Zut, je sais pas ce que je viens de faire. J'aurais peut-être pas dû faire ça là. Bref. Donc on va aller voir les indices. Donc lui c'est le mec, je vais lui parler plus tard. Je vais déjà fouiller un petit peu. On va regarder dans le coffre. Ok, donc on a le choix. On va prendre ça, l'espèce de cric là. Ouais, examinons, non. Rien d'intéressant. Un petit papier. Abattoir Riverside pour M.F. Morgan. Un cochon vivant. $3.20. Mr. F. Morgan picked up a live pig yesterday. Ok. Très bien. Personnellement, on n'est pas super avancé, mais c'est pas grave. Oula, oui, oui, ça, là, ça, c'est. Oui. Il a refait la peinture, quoi. Attendez, je peux fouiller ou pas? En même temps, c'est peut-être du sang de cochon. Hein. Ou pas. Ou pas. Ok. Donc, il y a plusieurs indices. Allez, on va prendre ça. C'est quoi, un portefeuille, non? Des instants plus joyeux, sûrement. Hmm. 32 ans marié, on dirait qu'un type sans histoire. Qu'est-ce qu'il faisait ici? D'accord. Bon, ça m'avance pas trop. Ensuite, on va devoir regrouper eh bien tout ce qu'on vient de trouver pour essayer de trouver un lien entre tout ça.
Stenzel glasses. Stenzel. Ok. Alors, il y a un autre indice ici. Qu'est-ce qu'on a là? Ah ouais, là c'est un peu plus... ouais. Brand name might give us something to go on. Un petit tuyau sangloté. Bon, je pense que voilà. La musique d'enquête s'arrête lorsque tous les indices ont été découverts. On va mener maintenant notre enquête, en tout cas on va questionner notre cher monsieur qui nous a appelé. Enfin, c'est ce qu'il dit, hein. Il nous a appelé, il a vu ça. Bah, il a très bien fait, hein, mais c'est peut-être lui le coupable. Sir, I'm Detective Phelps. Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. Donc, on a plusieurs questions. Donc là, on a nom Nat Wakey, marron, d'accord. Témoin sur la scène de crime. Ok, donc on a plusieurs questions. Présent sur la scène de crime, lien avec Adrian Black, contenu du portefeuille, tueur recouvert de sang trouvé. On va commencer par ça. Il a trouvé une pipe de steel avec du blood sur le car. Vous savez quelque chose, Mr. Wilkie? Non, monsieur. J'ai été straight pour la loi quand j'ai vu que le car était plein de blood. Et là, c'est là où le jeu, tout le jeu va commencer. On va pouvoir lui poser des questions et soit penser qu'il dit la vérité, soit douter ou soit lui dire carrément qu'il fait un mensonge. Donc là, on va le croire. When you saw the blood, was it wet, bright red, or darker like it is now? Darker, I'd say. Looked dry already. Hop, on utiliser R pour observer le suspect. C'est trop bien fait. Regardez sa tête. You know my nephew joined the police. He's a little slow too. Là tu vois, c'est limite une insulte, hein. Je sais pas, vous voyez, regardez dans son regard, on sent qu'il y a un truc à se reprocher. Bon, on va poser la question suivante. Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckon I'd take a shortcut. On va douter. Allez, on doute. Tu as voulu prendre un raccourci, tu vas me dire, hein. C'est très dangereux ça, allez. You're holding out on me. Spill it. I'm telling you all I know. Already wasted hours getting involved in this thing. Attention. En fait, on dirait le mec, il a envie de me taper. Ouais, il se retient là. Allez, lien avec Adrian Black. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. Oh, je sens qu'il ment. Je sais pas où, je sens qu'il ment. Les mensonges. Am I gonna have to stand here all day until you tell me the truth? You know the driver. I'm telling you, I don't know who was driving that car. You can prove it different. Alors, pour prouver le contraire, donc là, ça va être chaud, là. Tuyau ensanglanté, bout de tuyau en acier de la marque, machin chouette, non, c'est pas une preuve. Portefeuille appartenant à Adrian Black, trouvé prêt, peut-être ça, ouais, on va tenter le portefeuille. Attendez, on va regarder sa tête. Appuyez sur rond pour renoncer à une accusation. Ouais, je renonce. Sometimes you have to shake the tree to see what falls out. Bon, donc, bon, on va dire que c'est la vérité. You ever seen the car before? Funny enough, I did. A couple of nights ago, it was over there in the parking lot. I know most of the cars are parked here regularly, so it kind of stood out. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? Ah là, regardez, là, je sais pas vous, mais c'est un mytho, là, il a piqué de la thune. Regardez. Quoi? J'ai rien volé? Non, il ment, là, je suis sûr, il ment. Allez, vas-y, crache le morceau, tu mens. You rifled the wallet. My money is my money. You can't prove I touched that wallet. Si, je peux le prouver, je sais pas comment, mais je vais dire ça. Man does the right thing,
and the police try to turn him into a criminal. Merde, pourquoi j'ai raté? 2 questions sur 4, zut. En fait, le mec, c'était plutôt un gars sympa, quoi. Il avait rien fait de mal. Bon. Lui, qu'est-ce qu'il va me dire, lui? Ah, j'aurais peut-être dû parler à l'inspecteur, au docteur, pour en savoir peut-être plus, pour avoir plus d'indices. Ok, bon bah on se casse. Allons-nous-en. Donc voilà les amis, c'était Alienware. Ouais, je vais pas, voilà, je vous dis, non, je vais pas m'attarder là-dessus. J'espère en tout cas que le jeu vous a un petit peu pris au trip, dans le sens où voilà, vous voulez savoir qui est le criminel, et le jeu va constamment tourner tout autour de ce principe-là, c'est-à-dire faire une petite enquête, rechercher les indices, les examiner, parler aux gens aussi, il y a une petite enquête autour des personnes, on va falloir récupérer plein d'indices. Et puis au final, une fois qu'on va questionner le présumé coupable, ça va faire comme on vient de le voir avec la personne que j'ai questionné, il va falloir céder énormément des expressions faciales qui sont encore une fois mais super bien faites. Ça aide vraiment dans nos affaires. Choisir comme destination, voilà. Et puis voilà, tout va tourner autour de ça. Là, mon enquête n'est pas finie, donc apparemment, je vais rejoindre... Oula, j'avais pété le truc. Je vais rejoindre, je sais pas trop qui d'ailleurs, j'ai pas trop... Je crois que c'est la femme du présumé conducteur, ou en tout cas, l'adresse qu'il y avait sur le portefeuille. Donc on va aller voir ça. J'espère que c'est pas trop loin. Non, on va pas répondre à l'appel. Une quête annexe, mais on va plutôt, je vais essayer d'aller le plus vite possible chez la personne. Et donc voilà, en fait on joue un détective, hein, franchement c'est ça. Et puis moi personnellement j'aime bien les jeux un petit peu comme ça où il faut mener une enquête. Et puis c'est plutôt immersif, c'est plutôt bien fait. Alors techniquement j'en ai parlé, j'ai surtout parlé des expressions faciales. C'est plutôt bien fait, même si on peut le voir. Au fond c'est pas très bien fait, les textures sont plutôt fades, mais bon voilà, en vrai là je sais pas chez vous comment ça rendra, mais en vrai dans un téléviseur sans système de capture le jeu est un peu plus joli. Je crois que le jeu est en 720p il me semble, donc ça reste correct pour de la PS3. Je sais pas d'ailleurs si ce jeu est sorti sur PC. Ça se trouve sur PC il est bien plus joli, hein, je sais pas du tout. He pops the hood and he's on a rail crossing. Oh, you got it. He's got his head under there checking the oil and the Southern Pacific freight slams into his car doing 90 miles an hour. Quand je vais rentrer, je vais me faire engueuler par mon boss. What a pointless waste of life. Ah, on a la sirène, tiens. You'll get plenty of blood and guts and mindless stupidity. Il s'écarte ou pas quand j'ai la sirène? Ah ouais, il s'écarte. Enfin, pas tous, hein. Ils ont pas vraiment... Ils n'ont pas tous envie de se bouger. If it's a kidnapping, why leave the victim's ID? If it's a murder, why leave the car? The evidence doesn't add up. Free lesson, Phelps. Evidence will only get you so far. You ask me, the whole thing feels hinky as hell. What I wouldn't give to have your powers of intuition. Don't worry, kid. You're watching the map. Oh là là. C'est des anciennes voitures quand même, mais elles sont bien lourdes. Hein. Vaut mieux pas faire un accident avec, parce que... En même temps, j'ai les sirènes allumées, regarde-lui. Oh là là, là, on sait pas où il va, où à droite, à gauche. Ouais. Oh, le vieux. Le flic de merde, il arrive, il défonce tout. Non, c'est pas là en plus. Voilà, le flic tout pourri, il va enquêter chez des gens qui ont rien à voir à l'affaire. Oui, madame, vous êtes coupable d'un meurtre. Mais j'ai rien fait. Je reviens de vacances. Bref, les amis, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura donné une idée du jeu, ou en tout cas vous donner envie de vous le procurer, parce que c'est un très bon jeu d'enquête, d'investigation. Et eh bien écoutez, en attendant, portez-vous bien et à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut tout le monde.